Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, qui nous recevez sur la 95.5, le 3W, nanafm.tg, ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575, ou encore sur la page YouTube Norbert Douradi. Merci et bienvenue. Le gouvernement togolais a lancé depuis la semaine dernière une campagne pour informer l'opinion nationale sur la déclaration des biens et avoirs. La disposition prévoit que les hautes personnalités fonctionnaires de l'État déclarent chaque année leurs biens, meubles et immeubles aux médiateurs de la République. Que pensent les politiques de cette disposition? C'est l'interrogation qu'est la nôtre ce matin et pour en parler, nous recevons dans notre studio Acharaf Ourosama. Il est assistant parlementaire de l'honorable Tabara du PDP. Monsieur Acharaf Ourosama, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Bonjour, je suis extrêmement ravi d'être avec vous ce matin. Alors, c'est un plaisir également pour nous d'avoir accepté notre invitation. Donc, les auditeurs, vous avez compris, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58, avec Stan Teko à la mise en œuvre. Je suis Norbert Duradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Non, merci, merci bien. Je remercie tous nos concitoyens. Je crois que c'est un moment de grande écoute. Cela permet aussi au PDP de faire une sorte de clarification idéologique et de lever l'équivoque sur un certain nombre de choses. Et donc, je crois que j'aurai l'occasion d'exposer l'idée, les lignes directrices du PDP sur un certain nombre de sujets. Alors, aujourd'hui, le gouvernement togolais a lancé depuis la semaine dernière une campagne de sensibilisation sur la déclaration des biens et avoirs. D'abord, que pense votre formation politique sur cette disposition de l'État? Non, nous pensons très bien, nous pensons au PDP, que c'est une initiative solitaire de la classe politique dirigeante. Vous savez très bien que pendant longtemps, le PDP s'est toujours inscrit dans une logique d'obligation de redevabilité. Et nous pensons qu'aujourd'hui, tous les hauts fonctionnaires doivent, se conformer aux dispositions législatives. En vigueur. Donc cela fait partie du droit positif. Je crois que les hauts fonctionnaires aujourd'hui ont pris acte de cela. Vous savez, lorsqu'on parle de l'obligation de redevabilité, cela implique un certain nombre d'implications juridiques. Et donc aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les personnes morales de droit public, que ce soit les établissements publics ou les entreprises publiques, quand vous prenez par exemple les particuliers, les hauts fonctionnaires, les agents publics, ils sont tous tenus aujourd'hui de déclarer leurs biens. Quand on prend les personnes morales de droit public, les entreprises publiques aujourd'hui, vous avez longtemps une sorte de parquet financier, si je peux m'exprimer ainsi, la Cour des comptes, qui vérifie la régularité des comptes. Vous savez que la législation, les législateurs, je crois que l'année passée, ont voté la loi portant sur les cours régionales des comptes, qui sont une sorte de juridiction administrative spécialisée, qui permettent aussi de vérifier la régularité des comptes. Donc je crois qu'aujourd'hui, au niveau des personnes physiques ou des personnes morales du droit public, de droit public, je vais parler des établissements publics, je crois que l'obligation de redevabilité est prononcée et je crois que la campagne de sensibilisation est amorcée par le médiateur de la République sur l'ensemble du territoire le bienvenu. Donc nous estimons qu'il faut accompagner et vulgariser aussi l'information parce que comme on le dit, les caractères de la loi sont très simples, impersonnels, général et obligatoires. Et je crois que tous ceux qui sont concernés par la loi sont obligés de se soumettre. Alors la déclaration des biens et avoirs est-elle importante pour le développement d'un pays? Oui, non, mais effectivement, la déclaration des biens est très importante. Moi, je vais aller sur le point du droit. Vous savez très bien que le Togo ne vit pas en autarcie. Nous faisons partie des institutions sous-régionales et des institutions régionales. Quand vous prenez, par exemple, le protocole additionnel de la CEDEAO de 2001, et l'obligation de redevabilité ou la déclaration des biens fait partie. Quand vous prenez effectivement les déclarations même de l'Union africaine également, le Togo est tenu de se conformer. Et donc, je crois que nous avons ratifié ce qu'on appelle les traités constitutifs de ces organisations-là. Et donc, nous sommes tous obligés de se conformer. Donc, pour revenir à votre question principale, si la déclaration des biens participe à la prospérité économique d'un pays. Effectivement, cela participe à la prospérité économique d'un pays. Vous savez très bien que lorsque un citoyen togolais fait l'objet, par exemple, d'un acte de nomination, et il est à la tête, par exemple, d'une entreprise publique, et il part d'un point A à
un point B. Donc, il doit déclarer forcément des biens. Et donc, au bout de 5 ans, au bout de 3 ans, on peut faire le bilan. Si, par exemple, la personne peut faire l'objet de révocation ou peut démissionner volontairement. Et donc, du coup, on doit essayer d'évaluer durant son parcours à la tête de l'entreprise publique qui est un bien commun, voir quels sont les tenants et les aboutissants. Et s'il faut engager sa responsabilité, il revient maintenant à la justice d'engager la responsabilité. Donc, nous pensons très bien que les fonds publics, ce qu'on appelle le principe même de la sacralité des fonds publics, les fonds publics, c'est un effort de républicain, c'est le contribuable. Et donc, personne ne peut s'approprier des fonds publics. Et donc, je crois que cela participe à la transparence. Donc, la prospérité économique est subordonnée aux déclarations des biens des hauts fonctionnaires, des hautes personnalités, des agents publics. Alors, il y a un auditeur qui me demande, la campagne, elle est déjà lancée, la campagne de sensibilisation, bien sûr, est lancée. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens seront véridiques dans cette déclaration? Oui, mais nous croyons à la sincérité des uns et des autres. Vous savez très bien, quand vous prenez par exemple la loi organique portant sur le fonctionnement ou organisation du médiateur de la République, je crois que on ne saurait, le médiateur de la République nous aurait rentré dans la vie privée des gens pour savoir qu'est-ce qu'il dispose réellement. Mais dans tous les cas, lorsque vous vous engagez pour exercer des emplois publics, cela implique un certain nombre de choses. Et donc, je crois que ceux qui ne feront pas preuve de sincérité, peut-être pourront être rattrapés par l'histoire dans les années à venir. Mais ce n'est pas moi personnellement de décider. Mais je crois que moi, c'est l'occasion aussi d'inviter nos concitoyens, c'est-à-dire tous ceux qui sont concernés par la loi, de faire preuve de sincérité et de déclarer sincèrement leur patrimoine. Alors, quand vous parlez de tous ceux qui sont concernés, oui. Le président de votre parti est une personnalité publique, oui. Il est concerné également. Est-ce qu'il est prêt à se prêter à cet exercice? Non, mais il est prêt à se prêter à cet exercice parce que vous savez très bien que nous siégeons à l'Assemblée nationale, il a voté également la loi. Le PDP partage idéologiquement toutes les dispositions normatives de cette loi-là. Et après même le vote, je crois que le PDP même a fait la pédagogie. Vous êtes sans savoir que la production intellectuelle même est au cœur du combat politique du PDP. Et nous publions également des tribunes, nous faisons des articles, des interviews pour expliquer le bien fondé de la loi. Et donc ce n'est pas un acharnement contre personne. Nous sommes tous concernés et si nous voulons construire un pays prospère, nous sommes tous obligés, ou du moins ceux qui sont concernés. Et donc le président Kabara s'inscrit dans cette logique-là. Je crois qu'actuellement, il est en train de faire l'évaluation de son patrimoine. Nous avons déjà récupéré toutes les fiches possibles au niveau du médiateur de la République. Donc il essaie de répertorier. Vous savez, il ne faut pas faire les choses dans la précipitation parce qu'on peut être rattrapé. Donc il faut faire les choses méticuleusement. Et donc je crois que dans les prochains jours, il le fera en toute quiétude. Alors, on donnera la possibilité aux auditeurs dans quelques minutes sur la question. Alors, le Togo attend cette année deux élections. Il y a d'abord les législatives et puis les régionales. À votre niveau, comment est-ce que vous vous préparez déjà? Non, mais nous préparons comme tout parti politique. Parce que vous savez très bien, tout parti politique est tenu de participer aux élections si vous ne voulez pas disparaître dans l'échiquier. Et nous sommes conscients de la concurrence qui existe aujourd'hui. Quand vous prenez la classe politique dirigeante, un certain nombre de partis d'opposition qui sont extrêmement racinés sur l'ensemble du territoire. Le PDP aussi est extrêmement raciné. Nous avons des conseillers régionaux. Et donc, je crois que depuis 2018, vous savez que la collectivité territoriale n'a jamais été effective avant 2018 parce que nous étions sous des délégations spéciales qui ont géré les collectivités territoriales pendant des années. Et je crois que les partis d'opposition, la classe politique, ont trouvé un consensus pour organiser les élections régionales de 2019, si je ne m'abuse. Et donc aujourd'hui, quand vous prenez par exemple l'article 139, je crois, de la Constitution, on dit la République togolaise a organisé la collectivité territoriale sur le principe de la décentralisation, mais dans le respect de l'unité nationale, et que les collectivités territoriales s'administrent librement avec des élus locaux. Et donc, les communes, les collectivités territoriales Togo sont très connues, c'est les communes et les régions. Et donc, nous avions fait les élections locales, aujourd'hui, il faut organiser les élections régionales. Et donc, le PDP se prépare. Nous avons des fédérations sur l'ensemble du territoire. Nous tenons des réunions, nous faisons également des tournées nationales. Et donc, actuellement, nous sommes dans quelle phase? Vous savez, nous sommes un parti sérieux. Et donc, nous devons recueillir des candidatures et évaluer les candidatures sur des critères objectifs et les retenir. Donc, parce qu'on ne peut pas se lever un matin pour adhérer à un parti politique et dire qu'on se présente. Donc, il faut un certain nombre de critères. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de critères que le Parti démocratique panafricain
a établi. Et donc, tous ceux qui répondent à ces critères-là peuvent être investis et défendre valablement les intérêts, disons, électoraux sur l'ensemble du territoire dans les prochains mois. Alors, quand vous parlez de vous êtes prêt, est-ce que vous êtes déjà allé à l'intérieur du pays mobiliser les uns et les autres par rapport à votre ligne directrice, comme vous le disiez? Non, vous savez, lorsqu'on parle des élections, on parle des enjeux électoraux, serait prétentieux de ma part de dire qu'on est prêt. On n'est jamais prêt, mais on s'efforce quand même d'être prêt. Oui, effectivement, et nous faisons des tournées nationales sur l'ensemble, nous laborons vraiment tout le terrain. Nous savons très bien que ce n'est pas aisé de parcourir l'ensemble du territoire, mais nous avons des fédérations, ce qui veut dire que nous déléguons également des pouvoirs à un certain nombre de nos représentants d'organiser des réunions, que ce soit dans des quartiers, dans des fédérations, dans des communes, et pour essayer de recueillir. Et donc, il y a un certain nombre de recommandations, parce que ce sont des gens qui vivent au quotidien et qui connaissent l'adversité, c'est-à-dire les partis qui sont mieux représentés. Et donc, je crois que nous sommes en étroite collaboration avec nos représentants de fédérations sur l'ensemble du territoire. Nous essayons également d'aller à l'intérieur du pays pour s'acquérir un certain nombre d'informations. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la dynamique, elle est lancée, la dynamique au PDB, elle est lancée. Et donc, nous comptons, nos ambitions sont très claires, hein. Nous comptons vraiment faire mieux par rapport à ce qu'on a connu antérieurement comme résultat électoral. Et je crois que la dynamique aujourd'hui qu'on a déclenchée, nous sommes persuadés que nous aurons, disons, des résultats plus ou moins satisfaisants dans les prochains mois. Un peu partout aujourd'hui, on a tendance à demander aux uns et aux autres de donner la possibilité aux femmes de trouver, pardon, leur leadership. À votre niveau, que représente la femme pour vous? Non, mais la femme est au cœur de la politique du PDP. Vous savez très bien que la politique de marginalisation fait partie de nos combats, c'est-à-dire que nous devons combattre la marginalisation en politique. Vous savez, les femmes disposent des contraintes en politique que les hommes n'ont pas forcément. Et donc, il faut faire preuve de pédagogie et les convaincre de faire de la politique. Donc, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Nous savons très bien, vous savez très bien qu'il y a certaines barrières sociologiques qu'on ne peut pas lever comme ça du jour au lendemain. Mais je crois que nous avons quand même des partis. La preuve, nous avons des conseillers régionaux qui sont femmes. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de complexe. Et aujourd'hui, les critères objectifs sont là. Si vous avez la compétence, on vous positionne. Tout dépend aussi de votre militantisme. Et donc, le sexe ne fait pas partie de ces critères. Donc, la compétence, le militantisme et un certain nombre de critères qui entrent en jeu. Donc, si vous répondez à ces critères-là, je crois que vous pouvez bénéficier de l'investiture du PDP pour participer aux élections. Donc, je crois que aujourd'hui, comme je l'ai dit, la dynamique elle est lancée et les femmes également sont incluses dans notre politique de manière générale. Alors, je suis tenté de vous demander quel score prévoyez-vous pour les deux élections? Oui, quel score prévoyez-vous? Mais c'est extrêmement difficile de le dire, mais dans tous les cas, les ambitions sont là. Vous savez, aujourd'hui, nous préparons, comme je l'ai dit, il y a toutes les fédérations qui apportent un travail formidable sur l'ensemble du territoire. Et c'est l'occasion aussi de faire la pédagogie sur le cadre juridique. Parce que vous savez, sans savoir qu'il y a aussi un contentieux électoral, donc il faut expliquer, faire la pédagogie sur un certain nombre du code électoral qui vient d'être modifié à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, est-ce que nos concitoyens ou bien ceux qui participent aux élections doivent savoir comment le contentieux se passe? Et donc c'est la chambre administrative de la Cour suprême qui évacue le contentieux. Et donc je crois que tous les militants aujourd'hui du PDP connaissent la procédure de contestation des résultats. Ils savent comment présenter des listes. Et donc je crois que le code électoral aujourd'hui constitue notre boussole. Et donc pour revenir à votre question principale par rapport, je crois qu'à l'hémicycle, que ce soit les élections législatives et les élections régionales, je crois que nous avons l'ambition sur l'ensemble du territoire d'être partout dans les assemblées délibératives locales. Aujourd'hui, nous avons des conseils municipaux sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que le bilan est plus ou moins mitigé, mais nous avons l'ambition d'être dans les assemblées délibératives régionales. Je vais parler des conseils régionaux. Donc, je crois que la dynamique, elle est lancée. Nous donnons les moyens d'y parvenir. 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58, les auditeurs maintenant la possibilité après la courte pause. Retour dans les studios de Nara FM 91 09 71 71 ou 96 61 58 58.
Nos auditeurs ont la possibilité maintenant sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Et nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Ah, allô? Oui, allô, bonjour. Moi, c'est Dadido Gomé, bonjour. S'il vous plaît, je suis, j'avais parlé un peu de ça. Ah bon? Il y a une musique qui passe, oui, mais. Essaye d'arrêter. D'accord, le technicien essaie de voir. D'accord. Lui, allez-y, on vous écoute. Et, bonjour à vous et bonjour à votre invité. Oui, bonjour. Je voudrais poser une seule question. Oui, allez-y. Elle est en plusieurs morceaux. Quand est-ce que cette loi a été votée et promulguée? Je voudrais connaître l'année. Aujourd'hui, on vous parle de sensibilisation. Je suis sûr que l'application ne se fera jamais. Car la corruption étant endémique, il faut commencer par éradiquer en sanctionnant cette épidémie que moi j'appelle la corruption que moi j'appelle épidémie. C'est seulement en ayant fait cela qu'on verra si ce qui se dit est possible. Sinon, ce sera encore des vœux pieux et des vœux pieux. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour. Oui, je pense qu'on peut dire que vous aussi, on a plus de tout le monde aussi dans ce côté-là. Parce que vous êtes en train de se trouver pour eux-mêmes, devant leur côté. Ça, c'est clair pour vous tous. Si vous voyez cette assemblée-là, 95% de la population, c'est la législature la plus médiocre. Parce que si aujourd'hui nous sommes. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez suivi nos deux auditeurs, Mas Dadido Gomé, qui demande quand la loi a-t-elle été votée et promulguée. Et puis, il pense que l'application de cette décision serait un peu difficile pour la corruption qui gangrène tous les pays, presque tous les pays du monde, et notre pays n'est pas épargné. Non, mais je c'est monsieur Marx. Non, je crois qu'il ne faut pas être dans une logique de scepticisme exacerbé. Nous sommes dans une démocratie représentative et nous devons croire à un certain nombre de choses. Et les lois ont été votées à l'Assemblée nationale. Bon, la loi, elle a été votée l'année dernière. Vous savez très bien que c'est une loi qui a fait l'objet d'assouplissement parce qu'elle a été envoyée à l'Assemblée nationale. Où il y a eu des amendements. Il y a eu des amendements. Par exemple, aujourd'hui, quand vous preniez, par exemple, les sanctions,
tous ceux qui ne sont pas tenus de ou bien ceux qui inobservent les obligations législatives de cette loi-là, appelée la mise en demeure de 3 mois, on peut les infliger une amende de 500 000 ou de 5 millions. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des dispositions qui sont extrêmement contraignantes. Donc, maintenant, par rapport à l'effectivité, quand il dit oui, effectivement, c'est un combat, du quotidien. Ce n'est pas extrêmement facile de contraindre des gens, de déclarer leur patrimoine. Ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, nous avons une institution qui est le médiateur de la République. Quand vous prenez la loi organique, je crois que le médiateur de la République a un certain nombre de prérogatives. Il n'a pas le droit de poursuite. C'est à la justice de poursuivre. Et donc, du coup, aujourd'hui, elle est là pour recueillir toutes les patrimoines. Quand vous prenez, par exemple, la publication, le patrimoine déclaré par les concernés ne peut pas faire l'objet d'une déclaration sans une autorisation préalable du concerné. Donc, je crois que nous devons inviter nos concitoyens de lire également la loi et la loi organique du médiateur de la République. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, pour revenir à la question de monsieur Pellé, oui, vous pouvez me relancer. Alors, il laissait la déclaration et puis demander à ce qu'on fasse les comptes de comment le pays est géré. Oui, c'est ce que j'ai dit. Comment le pays est géré. Aujourd'hui, quand vous prenez les personnes physiques ou les personnes morales de droit public, les collectivités territoriales ou les entreprises publiques aujourd'hui, la déclaration des patrimoines est un fait tangible aujourd'hui. Et quand monsieur nous dit oui, que c'est le législateur ou les députés aujourd'hui ne font pas un effort de contrôler l'action du gouvernement, mais je suis désolé. Quelles sont les prérogatives d'une Assemblée nationale? C'est de contrôler l'action publique. Quand je prends par exemple le PDP, l'honorable Camara, à travers des questions écrites ou orales, interpelle un certain nombre de ministres. Et nous avions également des réponses. Donc nous les saisissons vraiment au quotidien lorsque nous constatons des incohérences. Et donc, je me demande si un jour, M. Pellé a une fois assisté à une séance plénière à l'Assemblée nationale. Non, pour lui, c'est parce que la plénière n'est pas ouverte. Non, la plénière est ouverte à tout le monde. C'est vrai, les sessions font l'objet de publicité. Quand il demande, est-ce que celui qui a de la pompe peut descendre juste pour une plénière, arriver à Lomé, bon, il a toujours clamé. Oui, non, mais c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les sessions plénières obéissent à une sorte de rotativité. Vous savez très bien qu'il y a eu des sessions plénières à Tapao, à Kara. Et donc, nous, concitoyens, également, on a l'habitude. C'est l'objet de la publicité. C'est ouvert à tout le monde. Quand vous allez à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, il suffit tout simplement de présenter votre carte nationale d'identité. Et vous participez aux sessions plénières. Il n'y a pas de barrière possible. Je crois que si nous voulons vraiment construire un pays prospère, il faut faire très attention à un certain nombre de choses. Et donc, moi, je crois que quand vous prenez la législature actuelle, c'est la législature actuelle qui a fait des réformes constitutionnelles vraiment assez conséquentes. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, tous les mandats des élus sont limités. Vous savez, quand on prend les députés, un mandat renouvelable 2 fois. Est-ce que dans le temps, avant cette législature, il y avait une limitation des mandats, même présidentiel, un mandat renouvelable 1 seule fois. Donc il faut faire très attention à un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a des avancées majeures et nous devons les saluer. Alors, la seconde partie de la question de Mas qui demande aujourd'hui, les pays sont gangrénés par la corruption. Donc, pour lui, il faut d'abord s'apesantir sur ce facteur-là de corruption. Oui, non, mais la corruption, la corruption existe. Bon, avant d'aller, nous avons un auditeur en ligne. Alain Femalo. Oui, Arma, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, il faut dire que la conception d'une démocratie, les gens et les autres doivent comprendre que c'est un processus de longue haleine. Il faut mettre un certain nombre de piliers pour que l'édifice puisse tenir. Et je pense que c'est de bon ton que ceux qui sont des responsables d'un certain niveau dans la société puissent déclarer leur patrimoine pour que les uns et les autres déjà à leur nomination et peu de temps avant leur départ pour que les choses soient transparentes d'abord qu'on sache concrètement
à ton arrivée, combien de maisons vous avez, et maintenant, à votre départ, les maisons que vous avez ajoutées, est-ce que ces maisons viennent de du revenu que vous touchez, ou bien bon, là, pour le peuple, c'est utile. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, les textes ne sont pas appliqués comme il va falloir travailler, sensibiliser, pour que les uns et les autres puissent être rassurés avant d'impulser ce développement. Merci. Merci à vous aussi. Nala FM, allô? Allô, bonjour mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Alors, bonjour mon président. Non, ce n'est pas le président, c'est plutôt son assistant parlementaire et membre du bureau politique du PDP. Bon, merci. Bon, ce que vous venez de poser là, déclaration de biens. Un fonctionnaire qui a 10 voitures, est-ce qu'il va accepter de déclarer qu'il a 10 voitures pour qu'on dise qu'il a ou qu'il en a volé? Ouais, c'est bon, le thème, hein. Ça n'aura pas d'effet. Hein? Ben, je peux passer. Si j'ai 10 maisons, je peux dire que je n'ai que deux. Une dans le nom de, au nom de mon cousin, au nom de la quoi. Bon, c'est bien, mais la pratique ne sera pas réelle. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 80-09-71-71. Pour le 96-71-58-58, on peut à tout moment recevoir un auditeur. Alors, par rapport à la dernière partie de la question de masse, et puis on revient à la question d'Arma, et puis Papa Sibiti, en parlant toujours de la corruption. Oui, en parlant de la corruption, je crois qu'aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont résolument engagées à lutter contre la corruption. Prenez la Plusia, même le médiateur de la République a déclaré assez bien devant le médiateur de la République, ce qui dit comment on lutte. La finalité, c'est quoi? C'est lutter contre la corruption. Et donc, je crois que quand vous prenez, par exemple, la compétence même de la cour d'assises, aujourd'hui, dans le temps, vous avez des crimes financiers qui sont jugés par le tribunal correctionnel, mais aujourd'hui, c'est à la cour d'assises. Donc, ce qui veut dire que tous les faits qui sont qualifiés de crimes financiers sont jugés par la cour d'assises. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eux-mêmes un durcissement même de la qualification juridique des faits. Donc, il y a un certain nombre de choses. Donc, je crois que les institutions sont là et qui n'ont pas, certes, ce qui est regrettable, par exemple, au niveau de A+, c'est une institution qui n'a pas les prérogatives de poursuivre des gens, mais effectivement, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il appartient à la justice maintenant de poursuivre les présumés auteurs des infractions. Donc, je crois que la lutte contre la corruption est un combat quotidien. Parce que lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption, les gens croient que non, mais il s'agit peut-être des ministres ou des gens qui occupent des postes de responsabilité. Non, mais c'est un combat du quotidien. Même un Togolais qui fait partie même de la SAFER, même au poste de péage également, doit faire preuve de probité. Même dans les administrations publiques, entre guillemets. Nous devons également lutter contre la corruption. Donc, je crois que nous sommes tous concernés si nous voulons construire un pays prospère. Nous avons un autre auditeur, Nana Femalo. Bonjour. Madame ici. Bonjour. Comment allez-vous? C'est un député qui est là. Non, ce n'est pas un député, c'est l'assistant de l'honorable Kabara, l'assistant parlementaire de l'honorable Kabara. Comment on appelle son parti? Le PDP. On vous appelle honorable. Pourquoi? Madame ici, monsieur Ashrafou, je ne suis pas honorable, je suis membre du bureau politique du PDP. Bon, attendez. Oui. Vous venez représenter votre député. Oui. Vous avez fait quoi là-bas pour nous? Vous avez fait quoi de bien pour nous inviter quelle loi? On est là, on est assis, on est renseigné de part à part. Oui. Et vous faites quoi là-bas? On est appauvri, que c'est parti, et le pays, le Ghana a arrêté depuis plus d'un an. Allô? Elle peut formuler sa question. Vous voulez revenir à la question du jour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est au fond du bien là-bas? C'est-à-dire, les lois qui vont voter, qui nous vont arranger là-bas. Et puis, il travaille combien de jours par an? Ils sont tout le temps en vacances. Les députés sont tout le temps, on les appelle honorables et ils sont contents.
Mais vous dites, c'est des contre-vérités, madame. C'est des contre-vérités. Vous faites quoi, vous? Je dis, c'est, vous dites tout simplement des contre-vérités. Ah, je suis allô, désolé. Allô? Allô? Nous disons merci beaucoup à madame ici. Merci. Je pense que nous n'avons plus d'auditeurs. 80-09-71. Oui, non, mais je vais répondre quand même à madame ici. Oui. Moi, je suis désolé. C'est vraiment un spectacle désolant de la dame. Parce que moi, je l'écoute souvent sur les radios. Quand elle appelle, c'est toujours la même sémantique. Les représentants, les élus ne font absolument rien. Mais si elle veut faire mieux, je suis désolé. Je crois qu'elle est éligible, non? Elle, si elle répond aux conditions d'éligibilité, je crois qu'elle peut participer aux élections législatives, entrer à l'hémicycle et proposer mieux. Ou bien si elle propose vraiment si elle prétend avoir une matière grise comparativement aux autres Togolais, elle peut proposer mieux. Et donc elle reprend les mêmes sémantiques. Quand elle nous dit que les députés sont toujours en vacances, mais ce n'est pas du tout vrai. Vous savez, est-ce qu'elle connaît le nombre de lois votées par cette législature actuelle? Alors, revenons à la question de Arma qui demande, qui pense qu'aujourd'hui la construction d'une démocratie est une question de longue haleine et chacun doit contribuer à l'édification de notre pays. Et il pense qu'il est judicieux que chacun déclare ses biens pour qu'on sache qui a quoi et qui n'a pas quoi. Et à la fin de ton mandat, tu déclares encore ce que tu as. Oui, oui, effectivement. Je crois que je l'ai dit même préalablement. Et c'est extrêmement important de l'avoir. Cela permet de suivre l'itinéraire des uns et des autres. Et je crois que nous devons même changer la perception que nous avons même vis-à-vis des emplois publics. Parce que si vraiment on veut être riche, je suis désolé, il faut exercer ce qu'on appelle des emplois ou des activités à but lucratif. On peut être dans le secteur privé. Et donc, lorsqu'on occupe des emplois publics, on vient pour servir l'État. Et qui parle de l'État parle du sens aigu de l'intérêt général. Et donc, on ne vient pas pour servir l'État et pour s'enrichir. Donc, c'est ce que je dis, nous devons changer nos rapports que nous avons avec les emplois publics. Les emplois publics, parce que les prestations de services publics de qualité au bénéfice de nos concitoyens, et donc la sacralité également des fonds publics. Donc, je crois qu'il y a des institutions aujourd'hui de la République qui sont résolument engagées à lutter contre la corruption. Nous devons tous les accompagner. Et donc, encore une fois, tous ceux qui sont concernés par la déclaration des biens également doivent faire preuve de sincérité. Mais dans tous les cas, s'ils ne le font pas, ils seront interpellés par la justice. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, la qualification juridique des faits a radicalement changé au Togo parce que tout ce qui est qualifié comme de crime financier est jugé par la cour d'assises et non par le tribunal correctionnel. Alors, Papa Sibiti qui pense que, bon, c'est vrai, la loi elle est bonne, mais c'est l'effectivité qui va poser problème. Parce que un fonctionnaire qui a dit voiture, est-ce qu'il va déclarer qu'il a dit voiture pour que, bon, on pense de lui, entre guillemets, qu'il a volé ou des gens, plusieurs maisons, mais on dit, j'ai deux maisons, ma femme a quatre maisons, mon premier garçon. Donc, c'est, vous avez essayé entre-temps de répondre, mais la question revient toujours. Oui, la question revient toujours, mais la loi fixant les conditions des déclarations et avoir des biens de tous ceux qui sont concernés. Avant d'y aller, nous avons un auditeur en ligne. Alain Femalo. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Ali. Monsieur Ali. Oui, allez-y, monsieur Ali. Félicitations à la puissance. Oui, bonjour. Tout ce que nous avons fait, c'est tout le monde, à la fin de l'Assemblée, dans le. Merci à vous, monsieur. J'aimerais répondre directement à son inquiétude. Non, mais il a parfaitement raison. Mais ce que mon grand frère il ignore, c'est que il y a la portant sur la vulgarisation des documents administratifs. Est-ce que les gens le savent?
aujourd'hui tous les documents administratifs, et je vais même citer l'une des dispositions de cette loi. On dit tout citoyen togolais peut demander à en avoir le contenu du document administratif. On ne peut pas le refuser. Donc on ne peut que donner une suite favorable. Mais toutes les lois, toutes les dispositions qui font l'objet, par exemple, de confidentialité, ne peut pas être donné par l'administration. Donc aujourd'hui, il y a une loi portant sur la publication des documents administratifs. Combien de Togolais vont dans les administrations publiques pour dire je fais un travail de recherche, j'aimerais comprendre les tenants, les aboutissants, les implications juridiques de cette loi. Donc donnez-le-moi. Mais aujourd'hui, je crois que l'État me fait un effort considérable. Par exemple, Edith Togo, c'est vrai que c'est payant, mais quand vous prenez par exemple la constitution togolaise, un certain nombre de lois qui sont votées, c'est absolument rien du tout. C'est à 500 francs, c'est à 1000 francs. Et donc, je crois que toutes les lois font l'objet de publication. Donc, il appartient à nos concitoyens de faire un effort de lire le contenu pour comprendre les implications juridiques. Nous prenons le dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Ça va, comment, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, donc, j'étais fou. Oui. Ici, fou. Donc, je vous écoute ce matin. Oui. Vous me donnez l'impression que ce que vous savez, le peuple ne le sait pas. Et pour reprendre le cas de cette collègue, c'est un peuple qui a été vraiment meurtri dans son âme. Et aujourd'hui, vous devez comprendre ce besoin ardent cette volée de savoir ce qui se passe dans les justices. Mais lorsque j'ai comme l'impression que vous vous énervez un tout petit peu lorsqu'on vous pose un certain nombre de questions. Et il vous revient, en tant que leader d'opinion, de prendre toute la patience, expliquer, amener les gens à adhérer à toutes les réformes qui se font. Vous voyez, c'était juste ma petite contribution à l'émission. Merci, bonne journée. Merci, monsieur Issifo. Vous voulez rapidement. Non, j'aimerais répondre à monsieur Issifo. Non, il n'y a, je crois, qu'aucune question ne mérite. Hein, et je ne fais pas preuve de condescendance non plus. J'invite tout simplement nos concitoyens à faire preuve à dire. C'est vrai, quand on vient sur les médias, nous avons l'obligation de faire la pédagogie. Il faut faire la pédagogie pour expliquer un certain nombre de choses. Et donc, pour revenir aux sessions plénières de l'Assemblée nationale, c'est ce que je dis, l'hémicycle est ouvert à tout le monde. Et les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont promulguées, sont publiées. Et donc, vous avez des lois, un certain nombre de choses. Donc, je crois que la responsabilité des partis politiques, c'est de faire preuve de pédagogie, d'expliquer un certain nombre de choses à nos concitoyens. Donc, le PDP s'inscrit vraiment dans cette logique. C'est l'occasion d'inviter nos concitoyens d'assister aux sessions plénières à l'Assemblée nationale. On n'interdit pas à nos concitoyens d'assister. Mais c'est quand même assez regrettable que les gens ne participent pas. Et donc, quand on vote une loi, les gens se disent que ce sont des actes législatifs qui sont très loin d'eux. Non, ils ne sont pas très loin d'eux. Parce que quand on vote une loi, elle est censée quoi? Régir nos quotidiens. Donc, je le rappelle encore une fois, les caractères de la loi sont très simples, impersonnels et généraux. Et donc, nous sommes tous obligés de nous soumettre. Donc, je m'excuse s'ils pensent que je fais preuve de condescendance. Non, je ne fais pas preuve de condescendance. Je suis un habitué des médias. J'ai toujours fait cet exercice-là mille fois. Donc, je crois que la responsabilité du PDP aujourd'hui, elle est reconnue sur la déclaration des biens, sur les élections. Donc, comme je l'ai dit, la dynamique, elle est très lancée. Le PDP est une alternative crédible à la classe politique dirigeante. Nous faisons des propositions. Vous m'avez reçu ici la dernière fois par rapport à la publication de notre ouvrage. Je l'ai dit, la production intellectuelle vraiment est au cœur de notre combat politique. Par exemple, quand je prends par exemple la question de Mme Essir, la dernière fois, elle nous avait dit que nous avons pris combien de temps pour rédiger notre ouvrage. Je me demande si, jusqu'alors, elle a cherché à lire le contenu de notre ouvrage. Quand elle nous dit que les députés sont en vacances à chaque fois, non.
Je crois que le calendrier, il est connu, d'avance. Et je crois que les députés font preuve de pédagogie au quotidien. Ils travaillent. C'est pour cette raison que l'honorable Kabara a des assistants parlementaires, y compris moi. Maintenant, nous n'avons que deux minutes par rapport à la question de Papa Sibiti où les gens ne vont pas déclarer effectivement ce qu'ils ont. Alors vous pensez quoi qu'il faut faire pour que... Voilà, pour lutter, ça rejoint toujours la question de la corruption. Oui, ça rejoint toujours à la question de la corruption. Je crois que quand on parle de la loi fixant les conditions de déclaration des gays, il y a également des sanctions. Si vous êtes ministre de la République et vous faites des déclarations qui apparemment ne sont pas conformes à ce que vous avez, même si vous pouvez me poser la question, si le médiateur de la République ne sait pas ce que le concerné dispose, ce qui veut dire qu'il y a des incohérences. Et il appartient au médiateur de la République de sommer la personne, de faire preuve de sincérité et de déclarer ce qu'il a. Et donc, moi, je l'ai dit, ils seront rattrapés par l'histoire. Parce que si vous rentrez en fonction, faites preuve, par exemple, vous bénéficiez d'un acte de nomination et vous gérez une entreprise publique pendant des années et à la sortie, au bout de 3 ans, on fait le bilan, constate une certaine incohérence, on engagera votre responsabilité. Et je l'ai dit, je reviens à la notion du crime financier. Et je crois que le droit positif au Togolais ne blague pas avec cette sémantique-là. Nous avons juste une minute, si vous avez peut-être un message à l'endroit des uns et des autres. Oui, j'aimerais, je salue tous les Togolais, je sais très bien que la vie... quand on parle du pouvoir d'achat, un certain nombre de choses, je crois que nous avons des défis à relever. Le PDP se bat au quotidien pour être une alternative crédible. Et nous avons des propositions. Et nous saluons vraiment des Togolais qui nous suivent au quotidien et qui nous appellent pour nous dire, effectivement, qui sont au courant des critiques constructives qu'on fait, des questions orales, des questions écrites. Nous saisissons les ministres de la République qui nous répondent sur un certain nombre de choses. Donc, pour leur dire, le Togo est un patrimoine commun. Et donc, j'invite tous les Togolais à faire preuve de patriotisme, de sens aigu de l'intérêt général pour construire un Togo prospère. Nous disons merci à Achraf Oussama, assistant parlementaire de l'honorable Kabara. Merci également à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Stan Teko pour la mise en onde. Merci à Maïmouna Sandere, la caméra, pour la page YouTube Norbert Douadi. Je suis Norbert Douadi, effectivement. On se donne rendez-vous demain matin, même heure, sur la 95.5.